Cette présentation va mettre l'emphase sur le rôle des technologies dans l'éducation inclusive avec le PDG de Dagma, conseillère spéciale du président de la République. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'appeler Madame Christine Coupette-Jacques sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors, avant député temps d'y aller, je voulais dire, même si nous aimons vers ça, je dis à l'épique grand passé, moi, là, j'ai petit frère qui lance Marc Soulier, Fabrice Tordia. Ok. Et nous, là, quelque temps, je voulais changer dynamique et cap fait dans la salle là. Donc, je salue, même j'ai tout le monde qui fait, et Attic avec Kessner Farrell qui t'a fait gros initiative ça et Haïti connecté et qui pour moi a connecté tout monde dans secteur la jeunesse entrepreneur l'état régulateur qui met tout le monde ensemble pour nous parler sur des causes qui concernent nous toutes et qui concernent avenir nous toutes. Même parce que particulièrement, je t'ai aimé battre un petit bravo pour toute jeune ça au moins qui fait journée dans salon après un bête. Tant pis, battre un petit bravo pour tête nous. Je battre un petit bravo spécial pour élève 4 expressoires que me donne une chance de faire présentation pour eux. Peut-être c'est pas équipe ça, il y a quelques années de ça, mais sont l'école qui sont l'école modèle dans le domaine et qui toujours été à la pointe de la technologie. Moi de nous battre bravo spécial, mais plus fort. Réveillez-nous, réveillez-nous. Ok, donc je veux dire, on m'a parlé d'un domaine qui pas domaine moi. Mais grâce à Internet, technologie, je suis capable de faire recherche pour me parler nous de bah, qui par domaine PAM. Moi, je suis spécialisé en marketing et communication, surtout par éducation. Moi, j'aime la technologie, même pas dire que je suis spécialiste en technologie. Mais moi, prend temps de faire recherche pour me mettre présentation ça sous pied pour que nous capables utiliser comme base pour nous faire un débat pour nous poser question et puis pour nous faire réflexion sur ça captant nous. J'ai député tant Dieu sodia demain déjà là. Demain c'est jeudi. Donc si nous pas commencer faire réflexion ça aujourd'hui, toi t'as barré nous. Donc avant de commencer, m'dai me poser nous quelques petites questions. C'est ce bouton. OK. Et dans quelques années, l'école avec l'université, est-ce que nous pensons qu'elle existe toujours? Qu'est-ce qui va répondre nous? Personne ne va répondre? Youmoun. Ok. Ok, même pas besoin de faire présentation. Ok. Et qui rôle nous pensons que la technologie est pour jouer dans l'éducation? Personne ne connaît. Nous n'avons pas qu'à nous parler de ça. Pendant la journée. Ok. Et est-ce que nous pensons que le pays en voie de développement, comme Haïti, a une chance pour nous rattraper avec la technologie ça? Non? Le public l'a divisé sur ça. Oui et non? Ok. Ok. Nous voulons que nous fassions une base pour entendre, pour que nous d'accord que l'éducation est une priorité. L'éducation doit toujours apporter le dernier développement technologique. Nous avons l'école là, nous avons fait nos bats bravo pour lui. Moi, je suis venu de près, je suis venu sur les réseaux sociaux. Et moi, toujours à la pointe de la technologie, à suivre son modèle pour nous. Élève avec professeur Josia, vous mettez vle, rester loin de technologie, c'est impossible. Vous avez croisé avec elle quand même, la caillou, dans le téléphone. Est-ce que vous avez un monde Josia qui a un professeur à l'école pour pas un moment utiliser son téléphone? Impossible. Bon côté la croisée avec technologie, quand même. Donc,
nous sommes d'accord que je dis la technologie li affecte aussi bien moun k'ap transmettre savoir là au professeur et li affecte aussi bien moun k'ap recevoir savoir là, parce que quand il y a élève au professeur Dion Bagay, il monte dans téléphone, il regarde Google, il dit non, c'est pas ça Google dit. Nous d'accord. Donc je dis loi transmettre, on va c'est pas un livre quand coulem de l'école apprendre par cœur et puis le bon examen c'est réciter par cœur. Je dis qu'on paquet l'autre recherche, qu'on paquet l'autre méthode qui rentre en jeu, qui fait que et façon nous dès qu'on apprend longtemps et façon yo te qu'on transmettre nous savoir et connaissance li changer. Nous d'accord. Si m'pas fait sens, nous mettre poser une question et puis camper moi. Me là toujours. Ok. Ok, donc, je dis, là, nous pensons en salle de classe. Je suppose que, excusez-moi, c'est ça, nous avons en tête, nous. Là, nous pensons en salle de classe. Nous avons imaginé ça, la pied à l'avenir. Peut-être, ça, sont classe traditionnelle. Même de l'école, c'est comme ça. On était gain bon. Et des fois, vous êtes formé, on va vous partager, vous ne pas copier sous voisin. Hein? C'est ça. Le calculatrice est venu à la mode. Tout le monde te dit, rentrez vos calculatrices. Ok. Nous allons faire un historique de technologie. Peut-être que vous avez des classe trop jeune pour vous songer, vous avez des fêtes dans certaines années, là, nous avons des révolutions. En 1946, nous avons ordinateur. Tout ça, c'était des révolutions. Et puis, je dis, un ordinateur, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et en 1970, nous avons des calculatrices portables. Dans les années 80, 90, l'école moi-même, où tu es obligé de calculatrice en secondaire pour faire et des cours de maths, des cours de calculus, par exemple. En 1970, nous avons un ARPANET qui est précurseur Internet. Nous avons beaucoup fait, non? By the way. En 1974, nous avons le premier PC. En 1977, nous avons cassette VHS. Combien de monde dans la salle a une cassette VHS qui conserve à une? Par exemple, nous avons débuté Dieu. Nous avons gardé pour ne pas pleuver, moi. Moi, je suis fait en 1977, débuté Dieu, et puis je suis passé. En 1983, nous avons CD-ROM. En 1994, nous avons vidéo digitale avec 3D. En 1995, nous avons imaginé que c'est en 1994 seulement que y a des animations 3D. Ça n'a pas fait un peu de temps. En 1995, nous avons Internet que nous connaissons aujourd'hui, World Wide Web. En 1996, nous avons DVD. Aujourd'hui, DVD est obsolète. Nous ne pas servir à ça encore. En 2000, nous, c'était l'ère de l'e-commerce. Et le commerce en ligne, tout ce qu'il y a comme magasin en ligne, etc. Et puis en 2010, Internet mobile, tout sur le téléphone. Nous imaginons quand c'était étape qui passait, dans 20 années, m'a parlé nous. Enfin bon, un peu plus que 20 années, peut-être une trentaine d'années. Et puis je dis, nous avons imaginé ça qui va venir dans 30 prochaines années. Vous déjà connaissez moi quand même? Non, ça c'est prochain panel là moi quand même. Donc ça sont tiré cap pour nous côté l'homme sorti dans du feu et puis l'atterri sur ordinateur et je dis à plus loin que ordinateur dans artificial intelligence même pas quitter moi quand même parler de partie ça. Technologie, je fais des heures à chercher une définition de technologie qui te fait sens. Aucune définition pas fait sens. Il y a un paquet de bagailles, mais en fait, technologie, c'est toute bagaille. Nous avons campé à une définition qui est plus simpliste. OK? Côté que c'est l'étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employées dans diverses branches et secteurs. En fait, pas qu'un dictionnaire qui bat mon définition de technologie qui te capable de définir ça moi-même, moi, ouais, que technologie. Je dis, en technologie, tout côté, c'est tout bagaille. Non, tout bagaille, il y a des milliers de formes de technologie et pas gagné en définition adaptée. Moi, j'ai des définitions qui gagnent 10, 20, 30 sous-définitions en bio, mais en rien qui arrive satisfait pour me dire, non, mais en définition qui fait sens.
Éducation inclusive qui s'allie. Éducation inclusive, c'est bailler tout le monde accès à l'éducation. Est-ce que nous pensons que la technologie est capable de faciliter l'inclusion ou bien nous pensons que la technologie est capable d'élargir ou bien bailler moins accès à un jeune monde qui n'a pas accès à l'éducation aujourd'hui? Est-ce que nous pensons que c'est un bailler positif ou bien nous pensons que l'élargir gap là, l'élargir espace là? Nous ne connaissons pas? C'est oui et non? C'est oui, la pélagie gap là, ou bien nous pensons que technologie sont opportunités? Sont opportunités, sont bon bagage lié. Très bien. Ok. Principe éducation inclusive là, l'appuyer pour que nous ayons tout le monde accès à la même éducation. Pour que tout le monde, quel que soit côté où il est, quel que soit. Et classe sociale que y a appartenu, quel que soit côté au sorti, quel que soit côté au préalé, que y a accès à même bagaille. Je dis à nous pas qu'à dire que un monde qui était Pétionville, qui a accès à internet au débit, gain même accès et gain un accès équivalent à un monde qui en province en dehors, non tibouk côté que internet a très faible débit si gain internet, parce que y a des zones de pays qui toujours pas gain internet. Donc si te gon en couverture équivalent tout côté dans pays, nous t'a parlé par exemple de accès qui bail accès et plus balancé qui pour faciliter éducation inclusive là. Mais jodi an ou gen un débalancement entre un petit monde qui dans l'école privée, un petit monde qui dans l'école l'état, programme yo différent, accès yo différent, niveau de information que y a pour recevoir les différents. Nous d'accord? Technologie a une vague à ne pas rater. À l'avenir, je dis, nous n'avons pas le choix que pour nous faire ça qu'a fait là, je dis, dans la salle là, pour tout le monde mettre tête ensemble, parce que nous n'avons pas qu'à rater vague technologie. Même parce que moi, ouais, au momentum dans le pays, dans le mois de juin, ça seulement, il y a tellement d'activités qui sont faites autour de la technologie. Matin, on m'a calé un petit bagage dans le banj. Le gouvernement fait lancer un incubateur technologique, un paquet de programmes qui a annoncé pour l'été, des camps d'été technologiques pour jeunes, des programmes de formation. Gen Altema, Jean-Marie Altema, qui présentait tout à l'heure, qui parlait d'un programme pour former 10 000 codeurs en Haïti. Gen Haïti Tech Summit dans 10 jours. Donc, nous pensons aujourd'hui, un mouvement, un momentum à ne pas rater pour que nous ne rations pas la vague technologique. Là. Donc, m'encourager toutes jeunes qui veulent apprendre pour rester au devant de scène à chercher de plus en plus d'informations. Nous avons des start-up qui viennent joindre moi dans la salle pour me donner un petit conseil. Nous avons un bon jour. Je m'en calais à dynamiser l'écosystème. Non? Mais parce que c'est ça nous besoin aujourd'hui et que nous sommes sur bonne route. Là, avec style de forum ça et style de plateforme d'échange ça pour nous ne pas rater la vague technologique. Là, nous ne pas rater. Oups, this is going. Donc, là, on a parlé d'une salle de classe dans le futur. Est-ce que nous pouvons imaginer nous, que la salle de classe là, qu'elle vienne comme ça? Nous d'accord? C'est pas tout le monde qui est d'accord, moi, quand moi, c'est vous seulement qui est d'accord. Et mais il y a des gens qui pensent que dans le futur, il n'y a pas de salle de classe du tout, et que chaque monde a chit à la caillou, et puis il y a pas de classe là, il n'y a pas de. Donc, nous ne connaissons pas côté nous parler. Moi, quand je dis que je connais, je vais répondre dans le panel qui va venir. Mais je dis, je pense que nous sommes carrefour, côté que la technologie est inévitable. Et que la technologie doit mettre main en main. Tout à l'heure, il y a un peu de monde qui parlait de en absence de cadre ou bien de stratégie et pour domaine technologique, même parce que le cadre-là doit prendre l'éducation en particulier et en compte, parce que je veux dire, l'éducation n'a pas qu'avancer sans technologie. C'est impossible. C'est deux barrières qui pour marcher main dans la main. Donc là, on a fait plaidoyer ça. On a souhaité que nous fassions plaidoyer pour technologie et éducation en même temps parce que l'une a marché à l'autre. Ok? Je veux dire, défi nous, il y a un peu de monde qui dit déjà, c'est le manque d'infrastructure,
le taux élevé d'abandon d'élèves, parce que nous avons un taux élevé que nous avons fait face en Haïti, mais éventuellement, nous avons plus accès avec des iPads ou bien des gens qui ne peuvent pas survivre dans un environnement de classe. Nous avons eu accès à des autres types de formations, des formations spécialisées, des formations sur mesure qui sont faites pour eux. Ou bon manque d'enseignement compétent, d'enseignants compétents, ou bon manque de formation d'enseignants, nous avons manque de cadre légal, il y a plusieurs monde qui fait référence à cadre légal secteur technologique là, mais nous avons cadre légal secteur technologie éducation. Nous avons besoin d'accès à internet à haut débit tout côté dans pays là. Il pas arrêter nos zones particulières, faut internet aller tout côté pour tout le monde joindre même accès à. Nous avons des prix qui étaient relativement élevés. Nous faut nous faire inclusion, faut nous faire plaidoyer pour inclusion population rurale, parce que je dis un débalancement flagrant, ni au niveau de technologie, ni au niveau de éducation. Nous connaissons que il y a des bails économiques qui rentrent en jeu, mais je dis un faut qu'il y ait un niveau adéquat pour que il soit capable de monter niveau éducation à travers technologie. Et nous manquons de développement contenu de qualité. Nous avons un intervenant qui a parlé de ça, qui a dit que le contenu qui est disponible dans pile langue, particulièrement en anglais. Moi-même, je prône multilinguisme, je dis ça dans le prochain slide. Mais en particulier, je pense que aujourd'hui, je suis content que le grand pile haïtien a développé le contenu, le grand pile application. J'ai eu la chance de passer dans le bon côté que je fais deux, trois séances de formation et avec mon câlin, avec un paquet de nouveaux startups qui ont développé le contenu, qui ont développé des applications, particulièrement pour le marché haïtien, côté que, et même des choses d'éducation et des softwares pour éduquer les enfants, des jeux d'enfants. Donc, je suis très content que le problème de contenu, bientôt, il va exister encore. Et je dis, je crois qu'en conclusion, tout le monde a dit ici, il faut que tout secteur mette tête ensemble pour faire ça. Nous commençons à faire là, je dis, en Haïti connecté, pour que nous fassions des stratégies et des plans solides pour adresser technologie, cadre légal technologie, stratégie technologie à côté, nous voulons le mener nous, mais en particulier avec un aspect sous éducation et de l'autre secteur comme médecine. Et les jeunes dans le fond ça là qui ont un projet intéressant pour le secteur médical là, pour nous garder des secteurs clés que technologie a capoté et aider nous à aller plus loin. Merci beaucoup pour l'attention. Merci à Madame Christine Coupet-Jacques. Donc, sans commentaire, puisque nous avons une journée très, très chargée, vous allez le comprendre, puisque c'est la toute première édition du colloque Haïti Connecté. Maintenant, on va faire place au tout dernier panel, le dernier panel du jour, le panel de la jeunesse haïtienne. Et sur ce, permettez-moi d'appeler, Mesdames, Messieurs, d'abord Marc-Alain Boussico de Bange. Yes. Cathy Flore, fils aimé. Monsieur Carly Baja, je ne sais pas s'il est là. Carly Baja, il est là. Il arrive. Bernard Okola, de 500 gouttes, de l'entreprise 500 gouttes. Bernard Okola, il est là. Okola. Monsieur Jean-Marie Altema, de Prof Haïti. Et Monsieur Max Larsen, le PDG de Transversal. Un panel très, très enrichissant avec beaucoup de, en fait, pratiquement des jeunes seulement. Donc on va parler de technologies, de l'écosystème technologique face à une jeunesse haïtienne qui est assoiffée d'opportunités maintenant. Donc, pour commencer très rapidement, donc, on va demander aux membres du panel de se présenter très rapidement, brièvement, et puis on va lancer le débat avec le sujet du jour qui est
écosystème des technologies de l'information et de la communication, opportunité pour la jeunesse haïtienne. Donc, comme je viens de dire, une toute petite présentation très brève, et puis après, on va regarder maintenant comment et renforcement écosystème technologique là, nous capables de mettre au service de jeunesse haïtienne, non, jeunesse qui a soif de travail, besoin d'éducation, tout ça. Donc, oh, bon, ma classe en a déjà présenté, donc on peut commencer de l'autre côté avec Bernard Okola. D'accord. Bonsoir tout le monde. Je suis Bernard Okola, cofondateur de 500good.com et coordonnateur de projet au niveau Centre pour la promotion de la démocratie et de l'éducation participative. Et je suis le représentant de OSE TLC ici en Haïti. Merci. Bon, au quitter parti et écosystème, c'est grave moins. Bonjour tout le monde, moi c'est Mokane Boussiko et moi c'est bon, PDG Bange et ça n'a pas gagné longtemps que nous faisons des startups ça. L'idée c'est vraiment pour nous essayer comment nous sommes capables de contribuer à améliorer ça dans l'écosystème entrepreneurial là. Ça veut dire créer conditions pour les gens qui ont idée, les gens qui ont idée déjà amener au plus loin ou bien et permettre que acteurs qui intéressés à ouais opportunité à travers que ce soit technologie ou entrepreneuriat en général, permettre aux jeunes un espace côté que capable jeune monde qui gain même objectif là. Donc et, si gagne nous qui connaît nous capable ouais espace ça venir la donner et ouais qui gens capable partager idée. Je pense que question technologie a les deux éléments clés et je pense que c'est tous les deux qui réunis jeudi à ni aspect infrastructure. En pile fois dans le monde nous ouais jeunes cap essayer innover créer. C'est peut-être parce que parfois, il y a une partie d'un problème qui résout déjà, qui c'est l'infrastructure. Ça veut dire qu'il y a un monde qui a envie de créer dans un pays comme les États-Unis ou bien en Angleterre. C'est par rapport à la PC créer, voilà, parce que quelqu'un a Internet, quelqu'un a un côté pour le shit, un côté pour le travail. Malheureusement, dans le pays, nous avons tous les deux problèmes. Yo. Donc, pendant qu'on a discuté des questions de bonne passante, des questions radio, télévision, ben, c'est aussi des acquis yo, pour une série de monde, mais il faut nous rappeler que nous n'avons pas des acquis ici. Et une fois que vous résout, il y a tout aspect. L'esprit a joué une idée, créer nouveaux problèmes, jouer une solution à problème. Et c'est la partie ça que nous-mêmes, nous essayons d'engager nous. Bon, grâce à Dieu, que nous-mêmes, l'aide à lancer, nous avons des partenaires, tant qu'on a accès à Haïti qui là, ou bien Digicel, qui te dit que pour supporter ça, affaire, il y a PC, résoudre problème infrastructure ça. Et qui fait nous capables d'internet, qu'on a assez rété pour nous travailler, identifier jeunes qui sont intéressants, monde qui ont une idée. Pour être capable de contribuer et surtout pour être capable de créer sans contrainte. Donc, moi, c'est si nous arrivons à continuer de travailler, résoudre le problème infrastructure et investir beaucoup plus dans la créativité, dans jouer une façon dont capable de résoudre le problème, qui lit des business qui est capable de sortir de chaque problème, c'est comme ça qu'on est capable de changer la façon que nous vivons, la façon que nous consommons, la façon que nous apprenons. Jean-Christine a parlé tout à l'heure. Et pour nous, on est capable de créer un Haïti qui fait plus bon vivre et qui est capable aider nous pour nous avancer en tant que monde. Donc c'est un petit peu ça qui est point de vue présentation par moi et point de vue sur question écosystème tech là. Bonsoir à tout le monde et non pas c'est Cathy Flore Fizeme et moi suis économiste et actuellement je travaille dans Sojé Bank mais et moi surtout très impliqué dans capable dire dans écosystème et technologie en Haïti moi et avec groupe Eco qui sont association et de jeunes nous t'ai organisé une on va dire une et pigou hackathon et en Haïti un hackathon pour monde qui pas connaît c'est une réunion on va dire une sorte de compétition de entre des développeurs côté que et nous inviter des développeurs viennent en compétition entre eux pour capable développer des solutions par rapport à une problématique et que qui posait donc son défi son challenge que nous lançons et pas trop longtemps moi organisé avec une équipe et ça nous les fintech qui c'est un sommet et sous finance avec technologie. Donc vraiment pour moi, je pense que c'est très important pour que je prenne un pied à écouter parce que et pas de monde qui a compté ça aujourd'hui et technologie
et personne pas passer outre de lui actuellement, quel que soit le secteur a évolué là-dedans. Et pour moi, et point de vue pas, c'est que en Haïti, il est important que nous valorisions les métiers et qui ont un rapport avec et, avec technologie et nous gagnons pile informaticien, etc. Mais c'est pas toujours et nous pas toujours valoriser métier ça et pour moi que c'est très important et c'est une raison qui fait que moi m'a poussé vers et activité qu'il y a avec des hackathons pour que nous non seulement nous découvrir et talent que nous gagnons en matière de monde qui a évolué dans le secteur technologie hein, mais tout pour capable comprendre l'importance et justement technologie qui a gagné dans vie et dans vie quotidienne parce que tout secteur concerné technologie sont bagage qui transversal et applicable à tout secteur donc je pense que c'est vraiment important pour nous capables et prendre ça et, avec une perspective et vraiment et technologique. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de participer dans le panel ça. Et je pense que ok. D'accord, merci. Moi au niveau de 500goutes.com qui c'est une entreprise que nous lançons, ça fait environ 12 mois depuis que nous lançons l'entreprise ici en Haïti, qui c'est une plateforme e-commerce, côté que nous connectons un ensemble de professionnels à travers le monde là, entre eux-mêmes, avec et clients. Alors, au niveau de 500goutes.com, là nous avons lancé 500goutes et nous vivons une expérience dans le fond Jean-Noël, dans le nord-ouest et dans le sud-est. Côté que tu as gagné plusieurs paysans qui vendent café et café a son café que tout le monde au niveau international a cherché pour acheter. Là nous arrivons dans la zone et nous avons vendu café à bon marché. Et puis, moi j'étais avec PDG 500 Goudla, Miguelito Jérôme. Et dans le moment, nous disons, est-ce que vous pouvez vendre café à vous même dans la zone nan, avec les gens qui sont à l'étranger? Vous dites non, vous n'avez pas de moyens pour ça parce que vous n'avez pas prendre un avion pour aller vendre café. Ya. Et puis nous avons dit, ben, il y a une possibilité pour nous mettre nous en contact avec les gens qui pas forcément vivent dans la communauté Fond Jean-Noël là pour que nous vendre café ça. Mais vous dites non, si nous faisons ça, nous avons l'argent américain. Parce que vous dites que ça allait venir prendre l'argent, c'est avec l'argent américain qu'il va vendre café ça. Mais nous disons non, nous même nos cafés, nous mangeons l'argent américain directement. Mais vous dites comment c'est possible? Nous disons bon, nous travaillons sur solution pour nous et puis nous tournons et nous revenons à nouveau. Et l'homme est entré Port-au-Prince avec Miguelito, nous commençons à travailler sur l'idée 50 centimes. Et là, nous travaillons sur 50 centimes. 50 centimes commence à faire des balles en équipe là. Et puis, il y a Vanessa qui était dans l'équipe là qui travaille. Il dit mais non, au lieu de dire 50 centimes, qui ça ne pense si on dit 500 gouttes? Et puis, il dit non, mais 500 gouttes là, pas qu'à commercial. Non, en manque son est. Mais elle dit 50 centimes, non, qui ça, monde comprend là-dedans? Et discussion en fait, et nous allons lancer 500 gouttes le 1er avril. Premier constat, c'est que les NAP dit, nous baillons ensemble de produits à partir de 500 gouttes le 1er avril. Mon Dieu dit, c'est le poisson d'avril que nous apprenons. Et ça, c'est pas le premier bagage qui peut faire une publicité négative de l'entreprise là. Parce que mon Dieu dit, il n'y a pas quoi que ou ka lancer 500 goud et ou ka font site web pour 500 goud ou ka acheter tant livres de café pour 500 goud ou ka fait si avec 500 goud et l'idée est lancée nous lancer 500 goud là on petit chambre caille à nous 5 et là 500 goud commencer prend jodia nous c'est une entreprise en Amérique latine nan, qui vend un paquet de services en Haïti par exemple une bagaille nous fait côté nous chita à Delma 46 là et à côté et market qui est sous Delma 46 là et côté nous market batterie clinique là et dans local ça nous réunit environ 10 jeunes jodia qui viennent rejoindre nous dans l'équipe là et nous avons environ 5500 fleuristes qui en base de données nous à travers monde là un dans service que nous offrons pendant que nous chita en Haïti nous avons possibilité pour quelques trois côté là monde là ou acheter en fleur ou voyer pour 500 gouttes seulement pour n'importe qui côté sous planète là. Et c'est le premier bagage nous allons faire. Et ça nous allons faire, deuxième bagage en 500 gouttes, nous dit l'argent nous collecté pendant les premières années en 500 gouttes, nous allons réinvestir à travers les gens qui connectent avec nous au niveau local. Et ça nous allons faire, le 4 mai qui s'est passé là, nous lancer ITEF.
Et c'est un forum côté n'a fait sous 10 départements à travers pays là, mais actuellement là nous fait dans 4 départements dans 5 villes. Nous t'ai fait Jérémy Okaï, Saint-Marc, Gonaïves, Cap-Haïtien et nous va redémarrer en mois d'août pour nous faire. Et à travers ça qui ça nous fait toutes jeunes qui dans zone n'a gain l'idée entreprise, qui gain un start-up ou bien qui lancer ou bien pas marcher, qui gain difficulté, nous rencontrer les nous arrivons dans la communauté ça, nous avons ensemble de conseils, nous avons des directives et avec l'équipe là, nous faisons des formations pour eux, comment pour eux présenter l'entreprise là et nous lançons un concours. Et chaque jeune ça a venu, la ville nous avons PPT, c'était 10 jeunes qui viennent, toutes jeunes ont l'idée business. Mais là nous travaillons avec eux, nous faisons des formations ensemble avec eux, ils ont comment pour présenter business yo. Et d'où ils ont venu, chaque jeune ça a fait une compétition entre eux, un panel qui vérifie comment l'idée est, est-ce que l'idée est viable. Et nous même qui là, dans le département de l'Ouest là, et nous même qui suivent sur les réseaux sociaux qui live jeudi, nous avons une possibilité dans notre département côté nous, nous commençons à préparer pour le premier semaine mois d'août que ITEF a privé dans zone là pour nous commencer à préparer nous. Et je dis à travers Centre pour la promotion de la démocratie et de l'éducation participative qui a fait une promotion autour de la technologie ici en Haïti, il y a un moyen que vous mettez disponible qui participent dans le concours qui est retenu et vous parlez en encadrement pour jusqu'à ce que vous arrivez à mettre business dehors. Et puis là, ça, on va venir jouer Marc Alain, l'Ambange, qui va continuer à accompagner pour aider à gérer l'entreprise là. Donc, il y a tout le bagage que nous avons fait aujourd'hui. Et tout le jeune qui nous a invité aujourd'hui à oser. Parce que l'opportunité est là. Il suffit que nous bien observer pour nous écouter pour nous lancer. Et je dis à quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit le type de business, Mathieu, nous avons tout à l'heure, nous avons des présentations du député Jerry Tadjoya. Il dit que quel que soit ce qu'on a fait, 10 ans avant, je dis à la possibilité avec technologie pour reconvertir et tout, pour garder qui ça fait. Donc, je dis à la contribution, nous, au niveau 500goutes.com, m'invitez-nous, fait www.500goutes.com pour que nous allions sur la plateforme ça, comme client, pour nous aller acheter service, mais comme professionnel, pour nous aller mettre business, nous tout. C'est la meilleure façon, parce que je dis à la, pour me finir, pour me dire non, si par exemple, vous avez besoin d'un site web, ou alter qu'on ingénieur aujourd'hui, minimum ou besoin environ 2 à 500 dollars américains pour faire un site web. Ou juste aller sur la plateforme, non, ou check qu'on ingénieur qui dit moins disponible pour et à partir de 500 gouttes, lui créer un espace pour faire promotion entreprise. Et dis-moi qui sont prêts à faire aujourd'hui pour gagner un courant là-bas, pour gagner l'électricité, pour gagner Internet, pour qu'on gère page ça. On pas bien assez de moyens pour qu'on fasse. Et à travers la plateforme, ça, nous avons des possibilités pour que nous-mêmes nous venions rejoindre nous sur la plateforme. Ça. Mais il y a un pile d'inconvénients. Dernièrement, nous avons un client dans le sud qui a utilisé le service Mon Cash pour qu'il fonctionne avec nous. Et le service et Mon Cash là n'a pas fonctionné dans le sud. Parce que gagnons compagnie et que nous achetons service dans mail et pour nous faire et échanger avec clients qui ont des difficultés dans le sud parce que ont coupé câble sur route et dans NIP. Donc gagnons pile problème, gagnons pile contrainte que nous allons joindre, mais meilleure façon pour que nous passer pour nous monter dans le deuxième niveau c'est rejoindre en équipe. Sinon pourquoi nous ensemble d'investissement nous avons besoin pour que réellement vrai pour nous faire impact, réellement vrai pour nous monter là. Maintenant détendez Access Haïti qui a dit ça, si et seulement si toute compagnie ils arrivaient là, ils mettaient tête ensemble, ils utilisaient un espace, ça aurait les sites là, ensemble, ça a plus de résultats. Je dis à s'ouvrir, lancer, on va lancer une plateforme e-commerce, pas de problème. Vous venez rejoindre nous dans Delma 46 là, et pour qu'ils doivent faire bagarre ensemble avec nous. Mais si on va lancer, pour faire tout investissement, on fait déjà, on va le faire dans une anecdote. L'un fait qu'on va lancer entreprise là, gagner un service que nous achetons, yes, gagner un service que nous achetons, nous allons perdre tout comme nous parce que nous monde qui va pirater le système. Non. Ça veut dire, je dis, moi-même, je suis victime de ça, je ne suis pas victime de ça, et gagner des bagages en tant que jeunes, nous avons fait ensemble. Merci beaucoup. Merci, Cola. Donc, nous allons continuer avec. Donc, Cola, tout parti à 100 000 à l'heure lui-même. Donc, allô? En 500 gouttes. Donc, je ne dis pas, continuer avec une brève présentation parce que, et puis, nous avons lancé une belle question de débat sur le sujet et panel là même. Et puis, chaque monde a gagné 3-4 minutes pour intervenir. Et puis, pour nous, quand ça s'est clôturé avec la dernière activité. Allô, oui, bonsoir. Moi, c'est Kali Baja, moi, c'est codeur de métier. Moi, j'ai plus de 12 ans. À 14 ans, j'ai exercé métier ça en Haïti. Je travaille dans les firmes, l'État, privé, etc. Ça fait déjà 4 ans avec une organisation qui est États-Unis, qui est les CODEPAF, et NAP et promote ça, les coding. Donc, je dis que c'est un embryon de
projet 10 000 codeurs que Jean-Marie Altema a parlé de lui actuellement. Donc, qui ça nous fait? Et Côte Paf nous enseigner la programmation mobile Android avec les jeunes. 3 ans de ça, nous avons fait l'été. Année ça était particulier parce que nous attaquer l'université au cap utilisé du curriculum que l'organisation sacrée, les Côte Paf, et qui est située aux États-Unis, San Francisco, à Bay. Donc, nous avons parlé de TIC jeunesse. Il y en a un qui est très très important pour nous connaître, c'est que tout pour pénétrer le marché, ça est important que coudeur nous, les jeunes nous, ils sont bien formés. Si ils ne sont pas bien formés, malheureusement, ils ne sont pas capables d'attaquer le marché. Même Jean Benjafel, il y a un cadre côté que il a accepté et accueilli start-up pour développer. Mais pour nous atterrir là, donc, il est important pour que le monde soit bien formé. Donc, c'est ça que je veux dire. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Jean-Marie Altema. Moi, je suis avec attention la présentation de tout le monde, et monsieur, dame qui passait avant moi. Et je vais dire deux bagages. Toutes conditions que je vais me réunir pour nous faire ce que nous avons besoin de faire. Ça veut dire que c'est servir avec le minimum que nous avons pour que nous valorisions ce que nous avons fait. Je n'ai pas besoin de parler de contraintes là. Maintenant, ce qu'on a, c'est qui sera fait avec ce que nous avons là. Et Mbalbay Max parlait tout à l'heure. Si nous avons fait un retour, peut-être pour les jeunes qui l'ont, ils ne pas comprendre, ils ne pas comprendre. 15 ans, 20 ans avant de cela, ça nous gagne là aujourd'hui. Hein? Génération Pamela par rapport à nous-mêmes, pas de gagner. Pas de gagner accès à tout ça. Moi-même, j'ai l'aime à l'université, je fais 8 heures du matin pour 4 heures de l'après-midi et parfois 8 heures du soir. Parce que l'homme fin suivre cours, il faut me rester dans le laboratoire. Parce que je n'ai pas de grand ordinateur. Il n'y a pas de permis à tout le monde. Côté l'époque, ça a pour un ordinateur là. Donc, je suis obligé d'être dans l'école là. Je dis, nous avons un mobile, nous avons un téléphone, nous avons un laptop. Nous arrivons côté dans l'hôtel là, par exemple, nous avons accès à Internet. Moi-même, si j'ai l'homme d'appeler Internet, il faut qu'on ait un téléphone, dans l'op, ou conduit. Il faut veiller là parce qu'on n'a pas fait Internet là pendant la journée, sinon l'in n'a pas sonné. Je suis obligé de prendre une ligne, mettre deux en bagarre, mettre l'ordinateur à deux, et puis qu'on ait veillé le 11h du soir, minuit, le tout pour dormir, le téléphone n'a pas sonné, pour me brancher, pour me faire combien, et peut-être 16K, ça m'a dit, je dis là, peut-être pour ne pas comprendre. Ça veut dire que nous n'avons pas couru de chemin, mais qu'on ait que des gens avant nous qui prennent de l'engagement qui permettent que je dis nous avons ça. C'est sûr que nous n'avons pas assez. Mais il faut nous construire sur l'écosystème là, c'est toute équipe ça qui là, c'est investisseurs qui prend risque vini ou encore investir dans le secteur là, c'est tout le monde. Un ordinateur longtemps, peut-être 10 ans de ça, ou pas de acheter. Je dis on va acheter un laptop pour $250, $300 américains. Donc ça veut dire que les vignes de plus en plus accessibles. Même toujours dit là toujours plus difficile et surtout dans le pays de Haïti, mais fuck nous-mêmes qui jeunes au lieu que nous utiliser technologie, ça veut dire toujours chercher côté pour nous prendre mégabyte, côté pour nous faire WhatsApp, côté pour nous faire Facebook, côté pour nous faire YouTube, mais utiliser ça hein, pour nous faire recherche, pour nous plus performant dans l'école, pour nous apprendre langue, pour nous faire recherche sous deux bagages que nous pas connaissons, pour que demain matin l'un qui était milieu scolaire là, nous entrer dans l'université ou bien pendant l'école là, nous déjà en avance sous n'importe quel haïtien, haïtienne qui est autour de nous. Goumen c'est ça lié. Puis bon que moun ki bon kontrol là parce que compétition c'est là le commencer. Merci. Moi relé et Maxence Henri, moi c'est président et association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication qui c'est une organisateur et événement ça. Moi, j'ai l'autre chapeau comme directeur transversal et puis coordonnateur d'un projet international qui est Haïti Goes Global. Haïti Goes Global, c'est un projet de l'ACNIC et Latin American Caribbean Network Information Center. Et il y a un constat que l'ACNIC fait, puisque c'est une organisation international et mais qui est surtout présent en Amérique latine, c'est que les technologies, information et communication ont porté en pile opportunité
dans la question de la création d'emplois, surtout et pour les jeunes. Et donc, et venir avec le projet ça pour d'abord faire une formation pour 300 jeunes mesdames et puis aider et joindre travail et à partir de internet, ça veut dire possibilité pour et la caillou à partir de la connexion internet pour et pour le travail. Et initiative ça est important, il mettait accent sur plusieurs aspects. Premier aspect c'est question et opportunité. Opportunité yo là, yo existé et yo existé pour tout le monde. Quel que soit le pays que tu as trouvé, quel que soit la langue parlée, quel que soit l'âge, quel que soit la couleur peau. Maintenant, il demande en préparation, il demande pour faire des formations appropriées, pour motiver, pour aller des opportunités, pour saisir et prendre au sérieux. Deuxième aspect, c'est la question infrastructure. Et infrastructure fondamentale. Même si l'opportunité ça a existé, pas qu'une façon pour abdi monde qui bon travail là, ah, connexion internet là, il est instable, il est tombé, c'est ça qui fait pas de cas et remettre travail là à temps. C'est pour ça qui est important et son bail qui récurrent qui vient à plusieurs reprises la discussion que nous faisons pendant la journée hein, pour nous continuer travail, pour nous renforcer infrastructure nous, pour nous continuer travail, pour nous être en place des espaces de travail, tant que centre incubation technologique Bange ou bien initiative Alpha, qui est capable de recevoir jeunes qui n'ont pas aucun moyen pour gagner une connexion Internet performante à la caillou, mais qui ont un espace pour le travail, pour jouer des opportunités sur Internet, et puis travailler sur l'opportunité ça pour remettre et travail ça. Et plusieurs de nous, les présentateurs, et pendant la journée, ont souligné la présence des élèves 4 Espresso qui sont là dans la salle. Et il y a des étudiants IT Tech tout qui sont là. Et pour qui ça m'insiste sur l'aspect ça, c'est que l'opportunité qui existe sur Internet, la possible pour nous accéder à eux-mêmes, pour nous venir compétitifs, si le travail a commencé déjà. Souvent l'école. Yo. L'école qui comprend ça, je ne j'ai dit, qui est depuis tout petit, yo initié timon yo à utilisation et technologie information à communication. Mais yo pas fait ça seulement, yo intégré dans le domaine que timon yo a étudié. Yo ba yo des travail pour yo faire. Yo travaille sur des projets qui ont rapport avec programmation, qui ont rapport avec Internet des objets, qui ont rapport avec robotique. L'école ça yo comprendre qui côté tendance en praler et comment pour yo préparer jeunes yo pour nouveau métier ça yo pour nouvelle opportunité ça yo qui l'a déjà mais de jour en jour qui va venir plus. OK, maintenant rôle l'état, rôle régulateur, c'est continuer travail pour créer un environnement qui puis propice pour que c'est pas il paraît ton initiative isolée que gain 4 esprits soir gain l'autre l'école gain IT Tech comme centre de formation qui aller dans direction ça mais pour lui et vraiment aller de façon massive pour nous créer un mouvement au niveau et de pays et dans ce sens ça nous cap noter et exemple un pays en Afrique comme Ouganda et il y a 2 semaines, nous avons reçu un expert au sein de ATIC et nous avons organisé une conférence avec elle. Il a expliqué que une disposition que le gouvernement, le ministère de l'Éducation, prend dans le pays, ça, c'est garder, par exemple, pour question infrastructure, comment ils sont capables d'acheter des bandes passantes en gros et puis distribuer au niveau de l'école. Yo. Ça veut dire qu'il n'est pas question, je dis, pendant qu'on a parlé de l'importance technologie, information, communication, opportunité qui existait par rapport à nouveaux métiers dans le domaine ça, pour que l'école y retrouve la posée des questions, quand elle va jouer l'argent pour payer abonnement Internet ou mégabit par seconde. Faut que nous gagnions des dispositions, il faut qu'on soit sérieux sur ça, parce que sans si problème connectivité à pas résoudre, problème accès à pas résoudre, elle doit commencer dans l'école yo. Tout petit, depuis tout petit, nous ne pouvons pas aller à quel côté. Donc, on essaie de résoudre le problème, ça, l'opportunité, là, on a commencé déjà dans l'école, résoudre le problème infrastructure, résoudre l'espace de travail,
et puis on est capable d'avancer pour nous bénéficier de l'opportunité ça. Merci Max. Donc nous tous autant de trois intervenants là, donc nous avons trois l'autre qui beaucoup vraiment parler par opinion sur le sujet du jour qui c'est l'écosystème technologique, opportunité pour la jeunesse haïtienne. Bon, nous sommes seules filles que nous avons dans le panel là et nous avons plaisir pour que nous tendions maintenant. Comment pensez-vous que si l'État avec secteur privé t'a mis tête ensemble et que vous renforcez l'écosystème technologique là en Haïti, donc dans quel sens ça capable de créer des opportunités pour cette jeunesse haïtienne et opportunités dans qui ça exactement de manière pratique? Cathy Flore Zizembe, merci. Merci Rifford. Et bon, pour moi répondre à la question ça, ça me dit c'est que je n'ai pas imaginé la technologie et je dis à changer l'écosystème qui a tourné autour de l'emploi, qui a tourné autour de travail. Et autrefois, je suis capable de dire travail, emploi en général, tu es défini par un employeur bien spécifique et qui fait dans un espace physique bien spécifique, dans un temps bien spécifique, généralement de 8h à 4h. Et quand il y a la technologie change bagay sa yo. Je dis à un monde capable de chita la Kaili. Il y a travail à distance. Et contrat de travail, il y a tout changé. On est capable de travailler n'importe qui l'heure que vous voulez et selon des modalités et des conditions qui définissent avec l'employeur. OK? Je dis à gagner un monde capable de dire marché travail là, il vient global. Living global, je dis, hein, et que je dis, je suis capable de vivre en Haïti et que je travaille pour une entreprise qui est Jamaïque ou bien qui est aux États-Unis. Et de même, un monde qui est aux États-Unis est capable de travailler en Haïti ou dans l'autre pays sans qu'il ne soit pas déplacé. Donc, ça aurait la mondialisation des compétences. Donc, vraiment, le monde où il y a une compétence spécifique dans un domaine, il n'est pas seulement. Et il n'y a pas seulement arrêté dans l'espace physique que tu as vivre là, mais il y a une possibilité pour capable et faire valoir compétences ça ailleurs à travers le monde. Donc, bah c'est vraiment c'est ça qui est important, c'est qui gens ici en Haïti qui ça n'a mis en place, qui ça n'a fait pour capable profiter de opportunités. Ou bon producteur ou bon consommateur. Donc si nous chita chaque jour nous même si fait si comme nous fini n'a payé plein internet et puis n'a fait le marché sur Facebook, nous juste positionner nous comme des consommateurs. Je ne pense pas que c'est start-up technologique seulement capable de Haïti, mon vision par moi c'est technologie capable d'accélérer n'importe quel secteur. Quelque chose à sort à faire déjà ou qu'à ajouter une couche technologique sous lui, que ce soit dans la façon à présenter, dans la façon à brander, dans la façon à vendre, dans la façon à communiquer, façon à obtenir information, façon à analyser, gain technologie dans tout domaine ça honnête. Donc responsabilité pas aussi joindre entrepreneuriat pas changé parce que gain technologie. Entrepreneuriat a toujours été joindre opportunité, résoudre problème là et puis faire de façon côté les capable faut faire comme. C'est ça qui a toujours été à la base comme technologie qu'on permettait technologie la donner. Nous besoin créer des partenariats avec monde qui est autour de nous. Nous besoin comprendre problème monde qui gagne autour de nous. Pendant que un pile monde a mettre responsabilité sur l'État, est-ce que l'État a supporté, est-ce que l'État pas supporté. Moi me toujours connais que ou même l'on monde ou un côté ou pas résoudre problème, c'est pour chercher résoudre problème pas au pour. M'pas dit que m'a dédommager l'État n'a aucun sens, mais nous même est-ce que n'a prêté chita attendre que l'État vienne résoudre tout problème nous. Les gens qui veulent réussir, c'est vrai que l'État suppose des responsabilités pour le chercher façon, mais si on a une opportunité que nous-mêmes nous avons en côté, que ce soit à travers un monde en Haïti, que ce soit des gens à l'étranger, en pile monde fait ça. D'ailleurs, il y a un pile haïtien qui fait ça à travers l'Église. Nous connaissons très bien que il y a un pile les fondations, l'Église, qui vient de des séries de côté en Haïti, c'est l'Église qui a en vie, parce que l'État n'a pas même arrivé dans ces série de zones. Donc, si nous sommes capables de jouer une façon pour nous capables de faire série de petits court-circuitage, il faut que l'esprit nous toujours travaille pour nous, quelle opportunité nous sommes capables de créer pour tête nous. Que ce soit basique, que le TNH te revende, grand pile monde qui fait ça déjà, ou bien servir avec technologie pour nous capables d'avancer. Donc, les nouvelles structures, nous avons réfléchi, c'est pour nous penser à tout petit bagage. Donc,
ne vais pas depuis longtemps parce que je vais plus de temps sur le panel là. Question écosystème entrepreneurial là, je pense que nous-mêmes nous supposons comprendre, je sais vraiment comment décorer, c'est pour nous garder nous-mêmes dans quel écosystème nous vivons. Si nous définissons l'écosystème comme étant un paquet d'éléments qui pourront entrer en interaction, qui pourront permettre l'entrepreneuriat à germer, si vous ne comprenez pas les gens qui disent comme ça, parce que ça a une grosse parole intellectuelle, si vous regardez les côtés, vous regardez l'environnement par là, comprenez le problème qui est tout autour de vous, et puis regardez qui est le monde qui est partenaire qui est impliqué là-dedans. Et puis vous-même, à travers la possibilité pour faire non par là, pour faire branding par là, pour faire monde comprendre qui j'en ai, pour qu'ils soient capables de profiter de l'opportunité que vous avez tourné autour de vous-même, que vous avez passivement, par exemple, essayé à le prendre, ou si vous avez plus à nombre de consommateurs, essayez comment vous êtes capable de transformer tout en tant que producteur à travers son gain en main, qui c'est partenariat, qui c'est ressources qu'on gagne autour de vous-même, qui problème vous êtes capable de résoudre avec vous, et puis garder pour qui support capable de jouer pour vous, que ce soit dans l'État, que ce soit dans le privé, que ce soit dans mes frères, soeurs, mamans, amis, les gens qui sont dans nos partenaires, députés, politiciens, tout le monde, et vous êtes capable de jouer capable d'agencer toutes les ressources pour créer ça vous-même, l'esprit pour vos possibilités pour créer, parce que c'est ça pour nous là, pour nous aller vraiment. Merci Marc Alain. Donc, avant de nous prendre deux questions, et d'abord maintenant une question autour, un élève ou bien un étudiant et poser une question, bien exprimer par rapport à ça qu'elle comprend, mais ça qu'elle voulait connaître. On a passé la parole avec Carly Baja qui va nous quelques points de vue lui-même sur Jean. Il pensait que si un renforcement de l'écosystème dans Haïti est fait, est-ce que Jean est capable de créer vraiment des opportunités pour et pour jeunesse là. Donc merci. Donc, il y en a pas moins pensé que et tout le monde déjà dit dans le panel la question infrastructure là. Une fois que l'infrastructure a existé, avec tout corps de métier qui vient exister, que ce soit monde qui a fait travail pour gérer les médias sociaux, etc., il y a un métier de codeur là qui est d'une importance capitale à travers le monde. En tant que codeur, qui ont besoin de laptop en connexion Internet pour développer des solutions pour monde à travers le monde. Et l'autre codeur, il y a tout un ensemble de spécialités qui associent avec elle. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la prototyping. Il a fait design template et start-up voir, les gardes, ou les gens qui pitchent, ils sont viables, ils continuent de développer. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la question web application. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans le back-end. Donc, tout ça, c'est de corps de métier qui est d'une importance capitale pour que la jeunesse là, l'y embrasse, pour qu'elle permette que tout écosystème ça l'y évolue. Et il y a des gens qui sont d'une importance capitale. Et m'a renforcé et activité Bange là, Alpha, parce que formation, ou apprendre de formation, ou gain de projet, toujours fait de start-up à deux pour qu'à collaborer. Parce que c'est avec deux nous, ou trois que nous sommes aller. Singleton va mener nous en train de côté. Donc, parce que à travers le monde, Jean, il y en a, et pas les tout à l'heure, c'est que deux métiers côté que ou chita la KO, il y a une solution pour développer ou développer le PO. Donc, ça, c'est deux métiers qui de plus en plus demandé à travers le monde. Et Jean me dit là, ou bon connexion Internet, et Jean-Max te dit tout à l'heure, et l'on va travailler type d'entrepreneur, de patron, ça, ou ne pas demander aussi, ou pas de connexion Internet, ou pas de. Donc, c'est résultat qui peut le compter. Donc, et responsabilité qui est associée avec le type de travail que on va là. Donc, c'est ça que fait, ouais, un tien, et répondre à. Avec un petit calcop, ou n'importe solution que ou besoin. Donc, je pense que si nous-mêmes, nous prenons compte de tout aspect positif, ça, qui côté que Dieu a fait, nous avons une couche physique là, qui existe, je pense que nous avons pas pénétrer et marcher. Donc, je pense déjà avec le type de formation que Côte PAF facilite les jeunes et incubateur et Bage qui là, qui déjà pas absorbé avec des projets de start-up que les jeunes qui ont développé. Nous pensons que la permet que la jeunesse là l'y a été. Je voulais faire une petite blague sur Carly Van Elle dit ça. Et l'autre jour, je suis à San Francisco, je suis dans Google et je regarde une série de bagages qui ont fait. Et puis, je vais montrer mon bagage qui dit même métier de codeur a déjà un problème. Parce que ça a passé, le monde a tellement créé des bagages online. Ou une série de gros méga compagnies de Google, les mêmes qui ça l'a fait, pendant que nous travaillons chaque jour, Google n'a pas pris un jour. Il n'a pas pris un jour, que ce soit un jour à fonctionner, que ce soit un jour à coder. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui,
Google commence à créer une série d'algorithmes. Est-ce que nous avons un téléphone dans le menu? Nous avons un téléphone dans le menu qui est plus intelligent chaque jour. Quand il y a une possibilité de commencer à taper un mot, il finit le bout. Et vous devez taper, vous devez commencer à taper plus vite parce que vous tapez, le mot est venu. Est-ce que nous connaissons que Google quand a créé des algorithmes? Quand on commence à taper un code, et puis il y a quelqu'un qui sauve les codes, et puis il te propose au reste fin. Donc tout métier, tout bagage qui est répétitif, je ne dis pas là, l'intelligence artificielle a attaqué tout. Donc si nous-mêmes, nous jeunes, nous avons réfléchi, il faut nous déjà aller plus loin que Curly, il faut nous commencer à comprendre notre bagage. Est-ce que nous connaissons que dans le futur, qu'on y a la voice commence à venir de plus en plus important. Qu'on y a, dans le futur, on visionne que nous n'avons pas envie de taper sur Amazon, mais ça m'a cherché, c'est juste dire Amazon, mais ça m'a voulait. Donc nous-mêmes, qui avons codé, il faut nous guetter. Anticiper, le monde l'a changé. Chaque minute qui a passé, le monde l'a changé plus rapide dans le futur. C'est-à-dire, tenter pour un bagage changé pour passer de Jean-Christine Dabdia de ordinateur à VHS à CD, qu'on y a là, à on pas même besoin et 5 ans pour un bagage changé. Un nouveau bagage qui a venu plus vite. C'est-à-dire que chaque seconde nous passons que nous ne pas apprendre, c'est plus mal, nous venons plus mal. Parce que le monde l'a, lui-même l'a bougé longtemps plus vite et plus ou pas avancé, plus de mecs qui sont appuyés en consommant, en consommateur. Merci, merci Magali, merci. Et on apprend. Merci à vous tous. On apprend deux questions. Nous ne pouvons pas apprendre en pile, bon, et parce que le temps nous fait la guerre. Moi, que étudiant à IT Tech, qui a comploté en question là, vous parlez là. Donc, et nous mettons, bon, le micro là, il n'est pas tout près. Donc, oui. Ok, donc on a un élève de Casse-Pressoir et étudiant. Bon, on commence ici. Bonsoir. Féliciter groupe Croissance avec Attic pour belle activité ça. Madame Sojé Baclan dit. ok, technologie a évolué, nous sommes capables de travailler là avec nous. Moi, je remarque que nous pas vraiment focus sur difficulté qui est en Haïti. Ou qu'on a internet, non seulement pour problème IDH, si on a IDH va fonctionner. Et si toutefois on a un inverteur ou bien Delco, ou on a Wi-Fi, ou paye Wi-Fi, ou pas rajouter une connexion. Moins d'une semaine, maintenant on compare internet, je fais 15 minutes camper devant le secrétaire là, pour me payer, il dit beaucoup de signal. Imaginons, on compare qu'il y a internet qui dit niveau qu'on est signal, son fiche, il va le faire pour moi, un manuscrit. Et juste après, il dit comme ça, oh, signal l'a monté, merci pour patience. Et moi-même, moi là, car moi, ça fait longtemps que j'ai un plan, c'est chercher, moi, j'ai cherché côté pour positionner Wi-Fi. Et à minuit, si que dans la chambre, Wi-Fi n'a pas passé, je vais pas déranger l'autre chambre pour me connecter en Wi-Fi. Comment nous-mêmes, puisque nous avons communication, qui pression nous capable bail compagnie parce que consommateur lui-même il paye pour service là qui pression nous capable bail pour que consommateur lui-même il joigne service parce que même que nous-mêmes nous levez voir nous il va attendre nous. OK. Et m'a bail Tati Flori pour madame Serge Bacla. Tati bon pour répondre. Mais ça arrive. J'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Nous avons toujours fait face à des problèmes. Et moi toujours conseillé les jeunes, moi toujours conseillé pour qu'on puisse utiliser la technologie, valoriser minimum au gain pendant que j'en dis, mettez pression pour gagner davantage. Comme je dis. Et une bonne question, par exemple, au grand ménage, au Balouel, le dimanche après-midi. Il y a pas de courant à 9h, 10h, 11h du soir, le samedi. Moi, garanti, on va veiller courant pour passer radou. Et puis demain matin, on paraît bien beau, il n'y a pas besoin qu'on ait, si on tape tant de courant, si on tape tant de courant. Je ne veux pas dire que ça nous est là, il suffit. Mais je veux dire que ça dépend de qui ça ou même ou fait avec son joint. Et bien qu'on t'approche, hein? C'est, on consomme tout le temps, moi, garanti, en pile de nous qui est noir. À plein pour internet, là où je ne suis pas internet là,
Ils voient une photo sur WhatsApp, ils voient une vidéo, ils font un autre de bagaille. Il y a ça tout. Il y a un aspect technique qu'on aborde. Wi-Fi en dans caillou, c'est même gens par exemple ou gen courant EDH. EDH les responsables mettez courant devant caillou là. Maintenant ou même ou responsable distribution dans caillou là. Ça ou gen pour faire leur fournisseur bon ou internet al prendre la sous ta avant arriver dans distribution a. Parce que problème là gen droit c'est routeur ou utiliser a. Ou chercher signal mais routeur a gen droit grand problème. Donc on pas veut nous mettre problème dans côté le payer mais faire des recherches pour nous identifier problème dans côté lié à bien entendu moi crois que et je me dis c'est pas connier opérateur a gagné un pile effort pour faire pour bail de service de qualité et qui répondent à besoin mon Dieu ça veut dire sous payer pour un service faut que c'est lui même ou joindre mais en même temps tout nous même faut nous mettre dans condition pour nous exploiter mieux ça nous joindre merci. OK. Et m'pa pral reprendre ça DG a sorti et seul bagage c'est moi ka di c'est que justement faut pas focaliser ou sur problème qui gagne c'est ouais qui sont capable utiliser au mieux ça qu'on disposer de lien et ou parler de pression qui pression que nous ka bay techniquement nous pas ka bay en pression directement j'on ta vle imaginer là. Seul bagage ben c'est que justement c'est pour ça que genre de activité ça au fait genre de forum je dis hein, nous gain forum nous gain colloque un peu partout qui a parlé de ça donc c'est une façon justement pour nous sensibiliser nous capable sensibiliser et c'est pas seulement opérateur c'est tout le monde qui dans écosystème là qui pour sensibiliser par rapport à problématique justement. Et bon faut une anecdote bien rapide par rapport avec ça. Parce que, imaginons, on travaille par assurance des États-Unis, on crie dans l'élève, et puis, par les signaux, on crie dans la fin directement, et ça se fait à la fin. On ne peut pas changer ça. Parce que si ça va faire rapporter comme vrai, on cherche un côté pour une solution. Il y a une bague qui est là, et qu'on voit un zème qu'on a dans l'internet. Si je ne veux pas dire que ça va faire son activité rapporter comme, on vient dans le buzz, on va garantir qu'on va faire appel là. Ou bien l'alpha, je ne sais pas si c'est structure. Cherchons un côté qui pourrait résoudre le problème. Suspendre plein. Moi-même, je fais pour l'école. Élève qui était plus intelligent dans la classe, c'est si moi qui était plus pauvre dans la classe, qui était moins accès avec ressources. Je fais pour le lycée. C'était yo qui était plus fort parce que papa vient chercher sous machine qui était un caillou qui était climatiseur à toute bagaille c'est l'homme a des ressources c'est là ça pour plus créatif et c'est là sont capable de une plus bonne solution m'pas dire soit dire menti m'pas dire que c'est pas vrai et que faut la vote tapis facile non mais sous on cherche ou veut créer vrai ou on cherche ressources qui bon pour avancer. OK chef merci même pas d'accord avec Tison Plain ça fait m'insister parce que le fait que côté Mia nous ça a rapport à communication. C'est nous-mêmes qui base, qui source là. Si nous-mêmes nous pas accepter problème là, qui est-ce qui peut le faire pour nous? Accepter problème, donc nous pas accepter problème là. Qui est-ce qui peut pas accepter problème? Et qui est-ce qui dit routeur m'a servi en ligue doit pas bon? Il faut me payer 110 dollars, mon nom dit c'est 4G. Bab cité non compagnon, il dit c'est 4G. 110 dollars paye mobile là. Imaginez. Attendez, bon médo, et je crois que l'IPAP utile réellement si n'a fait échange ça parce que. Il faut mettre d'accord que le gros problème de qualité de service, nous clair sur les. Maintenant, moi, je dis que Chita sous solution. Par exemple, je ne parle pas de cas isolé pour me dire, par exemple, vous allez à côté, mon nom n'a pas de signal, je n'ai pas pas vrai, ou je n'ai pas c'est vrai, nous prenons un échange qui n'est pas nécessaire. Sauf que moi, je dis, nous-mêmes, comme monde, comme jeunes, qui utilisent les services, il faut que nous rentabilisions le travail à faire. Utiliser internet là pour faire recherche pour demain matin pour plus compétitif qu'on est cap vivre Saint-Domingue qu'on est cap vivre Bokoto là si c'est moi même par exemple Infotel dès qu'on a fait dès qu'on a parcouru des kilomètres pour m'aller à Infotel il y avait une envie et c'est ça me voulait que jeune yo jodien manifester cultiver pour que capable avancer plus devant. OK bon. Bonsoir tout le monde content pour que me participer dans ça cap jodi hein et gen un cri que m'ta vle porter pour m'ta di m'prend voix la jeunesse pour m'porter c'est que on est en train de rater la vague pour qui ça parce que gen l'impression que tout ça n'a dit là yo dans majorité profession qui gen yo aller quitter nous déjà
Moi, pour exemple, je suis étudiant à la faculté de médecine de l'Université Lumière, vice-président. Donc, nous, comme si dans la médecine, pendant qu'il y a parlé de numérisation, de digitalisation, Haïti n'a pas appris le monde toujours fin de monde en chirurgie. Ça veut dire qu'il y a 7 ans de médecine, ou elle fait chirurgie par exemple, sans so, appris le monde, les guettants pas existent encore. Donc on est en train de rater la vague. Jeunesse, ça là, okay, qui est dans le filo là, qui va le composer, il va apprendre un métier qui guettant raté la vague là déjà. Donc maintenant, qui ça m'a dit? Et ça fait que faut que nous comprenions que frustration qui gagne, c'est parce que jeune yo, ou bien jeune ça qui a parlé là, il a l'impression que la vive, mais pas gagne, on t'a dit, ressources ni dit, opportunité vraie. Mais la question que je gagne, c'est qui ça? Est-ce que nous-mêmes qui ayons un niveau qui plus ou moins update par rapport à ça, nous pas capables de gagner des documents écrits de pour nous proposer à l'État haïtien pour changer premièrement l'homme ou du moins sculpti université qui va permettre que à l'avenir nous avons un pays qui a suspendu raté vague mais un pays qui a pris vague là et aller vers la technologie. Bon dieu ben ouais à faire vague là on débarque les deux vagues là si n'a pas tant de vagues là passer pour nous pas priver nous. C'est nous-mêmes qui pour monter vague là, c'est pour n'aller vague là. Donc je dis, tant que l'État a changé curriculum, information est là, qu'on pas qu'être l'autre application, qu'on pas qu'être l'autre bail qui est disponible pour nous, c'est nous pour faire chemin et c'est nous qui pour qui ça pour tant que son monde qui est sur podium non qui pour faire proposition curriculum yo. Ou quelle idée en tête ou laisser Macalin et compagnie qui fait le boulot? Non. C'est nous pour mener vague là. C'est nous pour mener vague là. Nous ne pouvons pas arrêter de vague là. On nous fait une pierre de quoi sur la question avec étudiants. On va prendre une dernière question. Pardon, on va prendre l'autre question. On va me dire nos bagailles. Christine, pardon, on va prendre l'autre question. On va me dire nos bagailles. Moi-même. Une dernière. S'il vous plaît. Pas de monde qui pique dans la technologie passée. Ou qu'à quoi, même j'en avais, même pas quoi passer. Vous ne pouvez pas comprendre, et je tout ça comme jeune, et peut-être pour tous les jeunes qui sont là. Technologie n'a pas l'air, ce n'est pas technologie que nous avons comparé à ce qu'a fait aux États-Unis, ce qu'a fait en France, ce qu'a fait l'autre côté en Europe. Technologie n'a pas l'air, c'est qui gens vont utiliser moyens techniques, yo, qui gens vont utiliser capacité pour changer la communauté qui va vivre là-dedans. C'est ça que technologie a. Technologie, ce n'est pas les gens qui ont fait en France, en Italie, je ne sais pas, mais c'est qui gens. On peut utiliser ça, on peut faire aujourd'hui pour changer la communauté Green Moon qui vit là. C'est ça la technologie, elle pas plus que ça. Mais quand le problème, c'est que je ne parle pas aujourd'hui de pour accréditer, par exemple, en faculté de médecine, on s'en demande que, comme on a dit, accréditeur la mété. Le fait de si pas d'aller comme ça, là, nous nous grand. Mon frère, bonjour. Encore une fois, tout le monde sur le panel est d'accord sur le problème. Et le problème du système éducatif, là, pas seulement en Haïti. Je ne veux dire, le monde a re-questionné le système éducatif parce que tout le monde a dit qu'il n'y a pas match avec le marché du travail là, pour une raison ou bien pour l'autre. Je ne vais pas dire en Haïti, ce n'est pas le cas ou bien le moins, mais le problème, ça, nous d'accord qu'il existe. Mais je ne veux dire, puis bon ami ou mon frère, et nous tous qui là, les Internet. Moi, attendez, ça m'a dit là. Moi-même, quand on photographe qui travaille avec moi, monsieur qui série de bagages, l'a fait qui est vraiment bon, je vais dire, monsieur, quand on apprend, monsieur dit des boutons de combat qui intéressent les Google. Les sous YouTube, toute la journée, là pas prendre. Je dis à toutes les grandes universités du monde, mettez tout programme gratis sur Internet. Corrélé le Harvard, corrélé le MIT. Donc, si le système n'a pas qu'à résoudre le problème, non, pour vous, ou bien moyen, je dis à pour résoudre, pourquoi? Qui sera fait? C'est ça que je voulais pour nous réfléchir. Pas si tu as plein, c'est ça que je voulais dire. Nous d'accord que le problème n'a pas existé. Vous voulez mieux exister. Mais ou même, si vous voulez résoudre, sans qu'on gagne que Christine va gagner l'aide de petit, c'est qu'on est capable de faire ça. Google it. Cherchez, mettez-le sur Google là. Mettez-le sur YouTube là. Allez sur le site qui va être gratis. Même lorsque vous avez une certification, mais formation est capable de tête. Cherchez information sur Internet là. Pour être capable de changer la voie. Pourquoi? Parce que si vous avez tant de vagues là, passer sous vous, c'est couvrir la couvre. Ce n'est pas sous tête qui va passer. Vous comprenez moi? Yeah. Merci Macal. Est-ce qu'on peut avoir une question ici avec les étudiants de Haïti Tech, s'il vous plaît? Yeah. J'ai décidé qu'on donne à une femme la question. À une femme, très bien.
Ok, d'accord, merci. C'est Versin Justin, étudiante à ETITEC. Question blanc pour vous. De nos jours, nous avons utilisé Internet, et qui a eu un paquet d'opportunités pour faire de séries de bagages en place, de travail en place. Et comment nous, ouais, jeunesse là, en face marché travail l'un de nos jours, à force que et travail 10 moun te ka fè nan yon emploi yo seul grain moun chita li fèl peut-être à distance. Comment nous rejeunissons kounya sou marché travail là? Moi, je pense avec question là mon seul bagay, faut étudier, faut très compétitif. Donc sou pa fè ça, Jean-Marc Alain tout à l'heure Google it ou pas je job. Faut étudier, si pas étudier, je regrette infiniment ou out of business. Mais c'est plus gros conseil. Excusez-moi. Et on a toujours étudié, on pas capable intelligent qui internet. Par contre, si vous comprenez ça, me dit. Mais gon réalité dans métier qui existe. Il y a des métiers qui partent là, qui viennent cap disparaître, gain des nouveaux métiers qui viennent cap remplacer. Dans présentation le matin, on était parlé dans de compagnie en 2005 et des compagnies comme Netscape, comme Infosic, comme AltaVista. Nous veut être jeunes, mais compagnies ça c'était des gros compagnies qui étaient à l'époque. Compagnies ça au vini, il était gain et dans Pigio, il était gain 5000, 10000 monde qui la travaille. Et puis, technologie a quitté, de disparaître. Les gens qui travaillent dans la compagnie, sont obligés de réadapter, sont obligés de jouer notre travail. Même si on a des métiers qui ont disparu, on dit que les gens qui étaient spécialistes, par exemple, ils travaillent dans les questions et louer DVD. Ou tu as besoin de regarder un film, ou tu as un business, côté ou un paquet de cassettes vidéo qui est film ça, et puis moun vin louer cassette pour toi jouer. Ah vrai? Pour louer une cassette. Tu as un gros compagnie aux États-Unis qui est les blockbusters. Ok? Et puis les Netflix commencé à fonctionner. Il fait blockbuster, il y a une offre de combien de millions de dollars pour racheter blockbuster? Blockbuster, tu as trouvé trop belle. Pour le vendre à Netflix. Et puis c'était chute blockbuster. Blockbuster disparaît. Je dis à combien de nous qui te connaît une entreprise qui te relie blockbuster. Il disparaît net. Et tout le monde qui était spécialisé dans le service, pour comment pour classer les films qui sont dans cassette vidéo, mais c'est ça disparaît. Parce que qui monde qui regarde, qui monde qui gagne lecteur VHS? Et qui est-ce dans nous qui a un lecteur VHS? Yes. Non. Qui moun? Ou gen yon? Gon sel moun ki leve mel. Ok? Donc, métier, si yon moun, métier, c'était spécialiste dans classé cassette VHS. Technologie allait. Donc, tout métier qui était associé à technologie, ça a tout, y allait. Donc, si yon son moun qui était dans le domaine, ça a gagné, c'est garder dans qui tendance qui gagne pour métier ça, qui va disparaître. Et puis, je nous couloir pour repositionner ou pour adapter pour nouveaux métiers qui viennent. Et ça que tu fait pour Blockbuster, la continue à faire pour un paquet d'autres domaines et nous avons toujours une nécessité pour nous continuer à réadapter nous à chaque fois. Oui, je vais juste ajouter un bagage. Même si on identifie comme un problème, non, ils sont opportunités tout. C'est vrai que la technologie a tellement amélioré le processus. On est capable de dire qu'il fait que quand il travaille, que il y a 5 personnes qui ont fait l'avant, qu'on a son grand monde, il y a des métiers, Jean et Max Odilan, qui carrément disparaissent. Mais vraiment, chaque monde sait qui Jean ou même a positionné tout. Sous tes noms métiers, qui ou réaliser que soit métier pas exister encore bien il pas valoriser même gens encore c'est reconvertir tout et c'est pour ça que internet là justement internet là c'est vrai que il y a aspect sordien mais il y a en pile opportunité qu'on capable profiter de et Christine dit ça dans présentation là tout à l'heure il est intervenu sur un sujet que le pas expert la donne qui gens fait venir ils font présentation tout le monde remet et tout le monde retrouver la donne il fait recherche sur Google. Donc c'est ça veut dire que c'est vraiment qui joue en positionnement par rapport à l'opportunité qui gagne, même si justement sorti en livret.
bon réponse encore qui est plus pratique, parce que vous posez une question. On n'a pas parlé de blockbuster, on n'a pas parlé de Bassa, on n'a pas parlé de là en Haïti. Moi-même, j'ai 18 ans, dès qu'on a fait surveillance examen dans l'école professionnelle en Haïti, un métier que tout le monde a fait encore, qui est le ticketing. Je ne sais pas si vous faites toujours en Haïti. Ticketing, son job, côté au monde acheter ticket pour son système. Côté qu'on apprend ni l'école. Je ne veux dire combien de monde qui relon monde pour eux, les ont besoin de réserver un ticket. Tout le monde aller online. On pas besoin d'aller dans Blockbuster, dans Netflix, non. Métier ticketing n'a mouri parce que tout le monde aller sur americanairlines.com, aller d'autre côté acheter ticket au pourquoi. Donc son monde c'est ticketing pour la bonne gagne, ça fait gado. Métier ça pour son métier qui t'a mouri déjà. Est-ce que vous comprenez? Là en Haïti. Bon bon bagaille que encore une fois, recherche sur Internet montrer. Je ne veux dire, mais comment vous nous positionnez nous par rapport à moi? Tout bagaille qui est répétitif, il y a besoin de façon quand même pour la technologie résoudre. Pas peut-être tout menti. Qu'on y a qui nouveau qualité pour développer la caillou par rapport à marché du travail. On sait, oui, critical thinking. Ça, on machine pas à faire pour. Ça veut dire, esprit critique. Analyser risque. Vendre, t'es tout, bagage ça y est, machine pour qu'on capable faire pour. Donc l'autre côté, Redena qui dit qu'on a développé longtemps, qui ça y est, on a fait site. Je ne veux dire, sur Wix.com, site, bonjour, c'est mon appel pour qu'on. Il prend 6 heures de temps, YouTube, et Wix.com fait site là pour qu'on. Donc on a qui développé, il faut qu'on fait plus que ça. Bacalé. Esprit critique, capacité pour analyser risque, jouer une opportunité. Bagay sa yo login yo nan moun deja ou ap rive sou marché travail la tout ça qui basique yo ap zou ka fè yo deja parce que konn kote pou chercher comment pour faire et puis boss ou konya la moun ou pral vann tèt ou balia ou ap montre que s'il gen yon nan équipe li ou ka aider l'augmenter vente ou c'est ou konn sa tri jou pral mettre en place lè ou nan situation difficile par rapport à travail la ou ap konn ki décision pour prendre c'est qualité ça yo comme étudier pour nous commencer développer la kay nou parce que tout l'autre bagay qui c'est mathématiques 1 plus 1 égale 2 ticketing yo technologie ap gen yo. Nous-mêmes, nous avons fait qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on prend décision, qu'on analyse les risques, qu'on ait opportunité. C'est ce qu'il faut pour nous développer la carrière. Nous avons besoin d'un job pour venir là. Est-ce que nous comprenons? Apprendre côté, ou c'est infirmier à apprendre côté, ou c'est médecin à apprendre côté, quel que soit le métier à faire, apprendre côté. Merci, merci aux membres du panel. Merci à Max Lassen du Transversal. Merci à Jean-Marie Altema, du Prof Haïti. Merci à M. Carly Baja, Kati Flo Fizeme de la Société Banque. Makale Moussiko de Bange et Bernard Tokola de 500 gouttes. C'était vraiment un plaisir d'avoir ce dernier panel pour clore l'activité du jour. Et je vous demande encore de les applaudir et d'applaudir Haïti Connecté. Donc, on va avoir un dernier mot de l'un des représentants de l'institution, qui, en fait, d'une des institutions qui ont organisé l'activité. Il s'agit du PDG du groupe Croissance. Mais je dois vous dire que tout avant, il y a un petit cocktail de l'autre côté. Donc, surtout pour ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir le lunch, donc vous pouvez toujours avoir un petit cocktail. Tout de suite après, les mots de remerciement. Comment ? Ah, ok. Une petite collation pour les jeunes. Donc, des mots de remerciement avec le PDG du groupe Croissance, M. Kestef Ali. Voilà, chers amis, c'est un grand plaisir. Haïti Connecté, la première édition. Nous connaissons avec l'ancienne génération Internet là. Il faut me dire que la salle là, papa Internet en Haïti était là. C'est M. Jean-Baptiste là. Et fondé également M. Joassin. M. fait toute révolution technologique qui gagne dans le pays. Donc, nous-mêmes, dans la dernière génération, nous avons avec la première génération. Donc nous avons souhaité que l'année prochaine, nous avons chité ensemble pour continuer avec la deuxième édition. Hein. Continuez pour jeunes, continuez le programme. Pas oublier comme dit le matin, que dans la fin de journée, il y a 2,5 milliards de bytes de données qui sont créés. Combien Haïti met là-dedans? Est-ce que nous mettons 0,00001? Est-ce qu'on a utilisé Google là n'importe qui genre? Qui ça ne fait? C'est ça qui idée activité ça. Donc quel t'es banque, quel t'es Haïti incubateur, tout ça pour supposer connecter l'un jour les opérateurs, les régulateurs, le régulateur pour tout monde chita pour nous garder comment pour faire écosystème. Nous n'avons pas besoin de discuter soit faire tâches répétitives. Génération ça et après fois que révolution a fait dans le monde. C'est pas la première révolution qui est. Tout ça répétitif vient dire nous là. Eh bien, une machine, une robotique qui pourra le faire pour nous. Et bien, du coup, pensez à tête.
ça ne besoin qu'on y a besoin de data scientists. Les bases de données font capable de gérer. Big data, analytics, apprennent par exemple, al Google yon apprennent yon. Et qu'on y a là pour nous venir connaissance là, pour nous venir ça où il est exactement. Insight, parce que métier qui est dans le 21e siècle là, s'appelle des preneurs de décision. Mon qui prend meilleure décision, c'est lui qui gagne bataille. Donc, c'est vous, même là, Claude, c'est comment qu'on y a là pour nous, machine à bando, on a travaillé pour nous, qu'on y a là pour faire ses voix à travailler. Machine à gel d'eau là, pas qu'à remplacer en réflexion, il qu'à répéter tâche. Défini comme ça, matin, on m'a dit le même bagage là. Je vous dis à la Haïti, il y a seulement 12,4% de monde qui gagne accès à Internet. 12,4%. Et puis Dominicaine, il y a plus que 60%. Jamaïque, il y a plus que 40%. Trinidad, il y a plus que 70%. Haïti fait 8 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts, qui fait qu'il y a moins que 1000 dollars américains par habitant. Et puis Dominicaine, avec 60% là, il fait 72 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts, qui balie 8 fois produits intérieurs bruts d'Haïti, qui mettait la paix de 9 000 dollars américains per capita. Jamaïque, qui a 2,8 millions de monde, qui a 10 000 km². Sous point Jamaïque, contre en Haïti, il a rempli deux départements, l'Ouest avec la Tibonite. Jamaïque fait 14 milliards de dollars américains, soit près de deux fois le produit intérieur brut d'Haïti. Plus de 5 000 dollars américains. Trinidad, il y a moins de monde qui vit Trinidad que de monde qui vit le département de la Tibonite. La Tibonite, il y a plus de monde que Trinidadien. Il y a un PIB de 27 milliards de dollars américains. Babraldin, si nous prenons la technologie, nous mettons en Haïti, nous connectons tout Haïtien, automatiquement, nous prenons l'augmentation du PIB. Non? Son corrélation que lui. Mais si nous prenons la technologie pour une bonne croissance économique, là, pour nous réduire, ça aurait l'écart entre les gens qui sont riches et les gens qui sont pauvres, qui cause également par ça le digital divide, là, et bien, nous ne pouvons pas améliorer les conditions de vie de la population. Journée en fait là, c'est pas pour nous dire technologie, c'est la vérité, il va sauver tout le monde. Data important, mais c'est data for good. Parce que nous, ça se passe là, on a Facebook là. Pas penser que technologie va résoudre toute qualité de problème. Il y a des problèmes moral là-dedans, il y a des problèmes éthiques là-dedans, parce que Facebook a fait un pile bêtise dans la parole ça autour. Donc, en ce sens, c'est comment nous apprivoiser, comment vous mettez loi, ça ne discute la journée là, comment vous avez une meilleure relation entre Conatel avec les opérateurs, quel que soit ça lié, et comme Bayat a dit, qui est extrêmement important, on suspend penser que chaque monde qui a fait autoroute par si pour chaque monde qui a fait route par pour automobile par regardez comment ça t'a coûté dans quelque sorte. Et bien, qu'on y a le mot coopétition supposé entrer dans le vocabulaire. M'a fait compétition avant, même la coopérer avant. Bataille là, c'est pas en Haïti lié là, jamais. Bataille là, c'est avec Dominique Engelier, c'est avec Jamaïque Engelier. Donc, si nous pas capable de connecter pays physiquement, connecter pays socialement, connecter pays entre différentes générations, eh bien, nous pas capable d'arriver réellement à mener bataille là. Connecter tête nous, l'année prochaine, juin, pas de groupe du monde, n'appelle pita peut-être, et les gens font pigou événement. Merci, on a le petit bas ensemble pour nous faire encore jour. Ciao! Je remercie Cisco, Digicel, Natcom, Transversal, Soge, BRH, qui te même pour ton gros support à l'activité. Access IT, oh mes amis, je remercie Access IT qui devant là, qui est un sponsor, qui te pour ton gros support pour nous. Et ça, c'est à faire ma Christine. Christine, merci beaucoup pour le support à comporter l'événement. ATIC, groupe croissance, année prochaine, deuxième édition, Haïti Connecté. Ciao! Thank you.
Voilà, amis téléspectateurs, Guinée, chaîne 18 ans, on connaît qui c'est Maman Pemba, on sent l'an dans tous côtés. Donc, je nous ai dit, on a assisté là à la première édition. Bat dans l'air. Spectateurs Téléguinée, nous t'es content là pour nous te servir. Je nous t'ai fait au compte ça matin. C'était Haïti connecté, première édition de un colloque qui fait sous thème une vision partagée de la transformation numérique d'Haïti. C'est groupe croissance avec ATIC qui t'a organisé colloque ça. Donc objectif là c'est permettre que Haïti l'y traverser dans mode numérique là. Côté que actuellement Haïti gagne seulement 12,4% de la population qui utilise Internet, alors que il y a l'autre pays qui déjà a travaillé pour traverser dans la génération 5G. Donc, c'est toute une équipe qui était mobilisée sous directive administration pour te porter journée colloque ça pour vous, amis téléspectateurs. Nous sommes contents là pour servir toute équipe là. Nous remercions de fidélité avec Radio Téléguinée et nous souhaitons passer une agréable fin de soirée sous antenne télé. Qui est toujours là pour servir. Nous avons surtout passé une bonne soirée. Bye bye tout le monde. Nous sommes contents là pour nous servir.